Bonjour Monsieur Pombeau. Bonjour Madame Dussos. Bonjour Alexandre. Bonjour Nelly. Bonjour à toutes. Et bonjour à tous. Pendant cette période un petit peu particulière que nous avons tous traversée, que nous avons appelée le confinement, nous avons décidé de laisser libre cours à la créativité de nos élèves en réalisant, comme d'habitude, un spectacle de fin d'année. C'était bien entendu pour nous amuser, mais aussi pour remercier nos élèves de s'être montrés très assidus et très sérieux pendant toute cette période un petit peu contraignante pour eux. Donc cette année, nous allons pouvoir respecter la tradition. Et oui, comme tous les ans, nos élèves ont travaillé autour d'une thématique annuelle, l'identité. Cette thématique, elle a pu être travaillée dans différents cours avec différents encadrants, que ce soit en philosophie, en français, en langue vivante ou en histoire-géographie. Et vous allez donc assister vendredi aux résultats de ces réflexions. Vous allez voir que vos enfants, nos élèves, ont pu travailler en cinéma autour de courts-métrages, mais aussi ont pu se mettre à chanter, à danser autour mais de... Mais il n'y a peut-être pas que les élèves qui danseront. Oui, peut-être, nous verrons. Nous verrons. En tout cas, nos élèves danseront, chanteront, joueront la comédie, comme d'habitude, et vous pourrez assister à ce spectacle vendredi. Ce spectacle, il sera tout de même un petit peu différent des autres, parce que si nous allons respecter la tradition, nos élèves ont aussi eu l'occasion d'innover. L'innovation est arrivée grâce au support digital que nous serons obligés d'utiliser, puisqu'effectivement, nous ne nous retrouverons pas, comme d'habitude, au théâtre. Donc, un peu de tradition, un petit peu d'innovation pour ce spectacle à venir. Nous vous donnons donc rendez-vous vendredi à 18h sur la chaîne YouTube de l'école Georges Gusdorf pour ce fameux spectacle de fin d'année. À vendredi. À vendredi. Bon, bah, Nelly, par contre, j'avais dit non pour la danse. J'avais vraiment dit que c'était impossible que les professeurs se mettent à danser devant les élèves. Ah oui, mais en même temps, il faut bien qu'on puisse s'amuser un petit peu. Nous aussi, on a été sous pression. Non, écoute, j'ai vu ce que ça... S'il vous plaît, ça enregistre là. Ah. À vendredi.